Des architectures imaginaires d'une part, des dessins d'aquarelles d'autre part, signés Thomas Schutt. Pour la première fois en principauté, le nouveau musée national de Monaco présente les œuvres de l'artiste allemand. Mais il s'agit là d'une seconde étape d'un projet coproduit avec le Castello di Rivoli, musée d'art contemporain de Turin. À Turin, on a fait une expo de la sculpture de l'artiste allemande. Ici, on a décidé de faire l'architecture parce qu'on a pensé que c'était très bien pour l'espace de Villa Paloma. Et à Turin et à Monaco, pendant l'été, le public en a vraiment la possibilité de regarder deux aspects vraiment intéressants de l'artiste allemand. Tout au long des étages de la Villa Paloma, vous découvrirez une série de modèles d'architecture, les One Man Houses, ainsi qu'une sélection d'œuvres récentes, jamais exposées auparavant, qui interrogent de nombreux thèmes chers à l'artiste, comme des bunkers ou des temples. Thomas Schutt réalise différents modèles d'habitation à l'aide de matériaux simples en forme de cylindres ou de cubes encastrés de toute taille. Une méthodologie propre à l'artiste. Ces modèles ont été réalisés progressivement au fil des années pour laisser place à de véritables maisons. Son travail s'inscrit dans un style proche de l'autoportrait. Celui-ci prend alors une dimension politique qui appartient comme souvent au pessimisme. Le reflet de la société contemporaine et des mécanismes qui l'encadrent. Je pense qu'il est vraiment une artiste contemporaine qui me rappelle les artistes de la Renaissance, comme je pense à Michel-Angelo, à Leonardo, parce qu'il a vraiment inventé de l'architecture et il a fait des choses dans l'architecture. Il a fait de la sculpture, il a fait de la peinture, il a même projeté, comme vous pouvez voir derrière moi, des mobiles. Des lits, des objets. Il est vraiment un artiste dans ce sens très, très unique. Les One Man Houses de l'artiste allemand Thomas Schutt sont à découvrir à la Villa Paloma jusqu'au 11 novembre prochain.